Ahmed Dramé, un petit côté Will Smith. L'acteur invité des Têtes à Clap n'a pas refusé l'offre de venir passer 3 jours dans le sud, entre Tarascon et Nîmes, pour nous parler de sa passion du 7e art. Entre sa performance dans Les Héritiers et son rôle dans Twist à Bamako, Ahmed Dramé a fait sensation dans ce petit festival autour d'un public conquis. Le cinéma, ça a cette particularité de pouvoir véhiculer des messages. La culture, ça a la particularité de pouvoir faire passer aussi énormément de messages. Donc, si j'ai la chance de pouvoir jouer dans des films qui peuvent inspirer, qui peuvent influencer vers des voies meilleures, pour moi, c'est la meilleure des choses. Donc, j'essaye quand même de faire en sorte que mes rôles soient des rôles avec une vocation à avoir un message. Je suis arrivé sur le film par Philippe Lyon et David Christophe Barrault, qui sont le réalisateur et le producteur. Moi, c'est Philippe Lyon qui m'avait envoyé le scénario. Il voulait que je participe au tournage de son film. Ensuite, j'ai lu le scénario. Il avait proposé aussi à Zachary Chassorio, qui est un très bon ami. Donc, pour nous, l'histoire, elle était assez touchante. C'était surtout dans l'idée de pouvoir vivre une aventure de tournage différente. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps avec des personnes malvoyantes. Donc, c'était quelque chose d'assez fort à vivre. Et surtout, l'idée de partager un rôle avec Zachary, c'est quelque chose qui m'a facilement convaincu. Quelqu'un a dit la vie est courte, donc il faut tout faire. On ne vit qu'une fois, chacun applique ses mots à sa manière. Le résultat, consommation de mal, terre brûlée, je ne juge pas, me moque de ça. Je suis sous contrat bah, pour mon prochain film que j'ai terminé d'écrire et qui est en production actuellement. Donc la prochaine étape, c'est de bien se préparer pour attendre le bon moment. J'ai déjà fait plusieurs fois Beaucaire et Tarascon par le biais des Têtes à Clap, une magnifique association présentée par Ludovic Duplessis. Et voilà, je pense que la région n'a pas fini de me voir. Nana, Kabil, la voiture rouge. Avec les cousins Blitard, ils sont plus forts qu'ils Scotlandia. Youssef HD, c'est. C'est un peu un grand frère de cinéma pour énormément de jeunes comédiens, dont moi. Donc j'ai beaucoup de respect pour l'immense acteur et le grand homme qu'il est. À bientôt, c'était un plaisir. Ouais, super.